Bonsoir et bienvenue à nos fans de Formule 1. Les dernières minutes s'écoulent avant le départ de la séance d'essai, ici sur le circuit de Marina Bay, où se déroule le Grand Prix de Singapour. Bienvenue aux téléspectateurs du monde entier et bonjour à celui qui se trouve à mes côtés dans la cabine. Dites-moi, êtes-vous impatient de commencer ? Oui, absolument. J'ai toujours hâte de voir les voitures s'engager sur le circuit. Elles ne vont pas exploiter tout leur potentiel dès le début, c'est certain. Je sais qu'une ou deux écuries vont travailler sur les nouveaux éléments aérodynamiques, ça va donc leur prendre un peu de temps. Mais au fil de la séance, ce sera très intéressant de voir les gains de performance qu'ils obtiendront. Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour vivre le Grand Prix de Singapour sous les étoiles ici à Marina Bay. On commence tout de suite au cœur de l'action avec la première séance d'essai libre qui s'est disputée eh bien sous un ciel couchant, n'est pas tout à fait de nuit ici, ce qui va changer pas mal de choses, notamment la température de la piste, température qui devrait bien évidemment évoluer avec les conditions météo que l'on annonce. Le déluge est prévu peut-être pour la qualification et avec certitude pour la course. Il va donc falloir adapter les voitures en conséquence. Après un Grand Prix de Monza bien rapide, celui-ci risque d'être plus une épreuve d'endurance sous les trombes d'eau. J'espère que vous allez bien ici à Singapour, tout se passe comme il faut. On continue la découverte de ce tracé urbain, l'un des derniers de la saison. Première étape hors Europe après le milieu de saison. On va désormais partir vers des destinations un peu plus exotiques avec la Malaisie qui a été déplacée cette année du début à la fin du calendrier avant eh bien, de partir aussi visiter le Japon et ensuite eh bien, la tournée américaine nord et sud et enfin les deux derniers Grands Prix de la saison avec le Brésil et Abu Dhabi. On continue sous le temps sec ici avec une McLaren qui continue d'évoluer. Contrairement à ce qui a été dit lors des diffusions précédentes, eh bien ici il n'est pas question tout de suite d'arrêter le développement qui devrait en fait continuer puisque eh bien, le regain de performance vu lors des dernières épreuves, que ce soit à Spa-Francorchamps ou à Monza, ont donné des ailes à McLaren Honda, qui eh bien, désormais ne bénéficie plus de soucis techniques. Ils les ont résolus, le moteur tourne bien, la voiture est correcte, et on peut donc envisager une fin de saison au beau fixe pour les deux pilotes, belges et espagnols. On verra ce que cela donnera au fur et à mesure de ce week-end, qui, contrairement aux apparences, eh bien, ne devrait pas convenir à la McLaren, du moins en ce qui concerne le tour rapide. Il est terminé pour le pilote belge, il vient de conclure la première séance d'essai libre. On va découvrir le classement. Voilà, avec Kimi Raikkonen et Sébastien Vettel qui ont été les plus rapides. Belle performance des Toro Rosso. Attention, différentes compositions de pneumatiques. Esteban Ocon pour son premier réel Grand Prix urbain. Et pour l'instant, dans le fond de la grille. On termine le vendredi avec la deuxième séance d'essai libre. Habituellement, eh bien, c'est ici que l'on teste les pneumatiques et la résistance de ces derniers lors d'une période d'un relais de 7 tours. Ce à quoi s'attelle actuellement Stoffel Vandoorne avec les pneus super soft. Pourquoi ? Eh bien parce qu'au niveau des pneumatiques allouées lors de ce week-end de Singapour, eh bien il y aura les pneus soft à bande jaune, les super soft à bande rouge et les ultra soft que l'on a vu plusieurs fois cette saison à bande mauve. Pas de pneus durs ici, ce qui devrait faciliter la vie aux McLaren qui, on le sait, fonctionnent mieux avec eh bien, des pneus plus tendres. Nous sommes dans cette période où on débute la recherche des pneumatiques avec, voyez, un delta qui n'est pas facile à tenir. Il va falloir être très concentré. Alors, va-t-on assister, alors que là on a eu un petit contact avec le mur, va-t-on assister à une course difficile, une course d'endurance avec le chrono qui frôle souvent avec les deux heures par le passé, on l'a vu. Et si en plus pour la première fois de l'histoire la météo vient s'en mêler, on pourrait avoir quelque chose d'assez particulier. Quelques modifications sur ce tracé, on vient de les passer justement avec cette partie du circuit qui était d'auparavant une chicane et qui est désormais devenue un virage à gauche qui se passe en troisième à l'aveugle. Pas mal de pilotes se sont fait surprendre dans ce dernier virage. On verra comment cela va-t-il se passer au fur et à mesure du week-end. On conclut ce test de pneumatique dans cette deuxième séance avec, vous le voyez, quelques tours qui ont été dans le rouge. Pourquoi ? Parce qu'on s'est fait surprendre en bloquant les roues du côté de chez McLaren. De quoi faire un petit peu paniquer Stoffel Vandoorne qui peut toujours aller chercher les 80 points. Mais pour cela, il va falloir faire comme il faut ce dernier tour et ça ne sera pas gagné. En tout cas, des essais libres qui se passent moyennement pour l'instant chez McLaren et ça va aller de mal en pis avec l'absence tout simplement de troisième séance ici à Singapour puisqu'il va pleuvoir et on ne pourra pas tester la voiture. Les résultats de cette deuxième séance
ici à Singapour avec donc désormais Carlos Sainz en tête, mais attention, il est chaussé de pneus ultra soft. Derrière, le premier en pneus soft, c'est Vettel, et la belle performance tout de même de Fernando Alonso, 9e en pneus soft. Vous allez voir que du côté de chez McLaren Honda, on termine les derniers préparatifs pour continuer la lutte face à Mercedes et Ferrari. Et on découvre ainsi eh bien, la troisième séance qui, avec pas mal de pluie, a finalement mené McLaren à retirer Stoffel Van Dorn, qui terminera avec un chrono plus que moyen. Il terminera 5e en pneus ultra soft, ce qui n'est pas la folie. On voit que les Ferrari sont bien installés ici, une piste qui demande beaucoup d'appui. On va voir ce que cela donnera lors des qualifications dans quelques instants. Les derniers essais libres sont désormais terminés et la nuit est tombée sur Singapour. Bonjour, je voulais juste vous transmettre les objectifs attendus par l'écurie pour la prochaine séance de qualification. Vous découvrez donc désormais au poste de premier pilote les objectifs de Van Dorn, la 4e place. Il est tard ici à Singapour et c'est l'heure des qualifications. Donc mettez-vous à l'aise et savourez l'action. Voilà un circuit qui, d'après des pilotes bien plus expérimentés que moi, ne fera qu'une bouchée des pneumatiques arrière. Les nombreuses sorties de virages lentes vont infliger beaucoup de dommages aux pneus arrière. Il est très facile de survirer en effectuant une sortie trop agressive. C'est toujours spectaculaire et nous aimons tous voir une monoplace pousser au-delà de ses limites. Mais c'est aussi incompatible avec un bon chrono. La première séance qualificative, la Q1, 18 minutes pour se placer parmi les 16 premiers. Et vous le voyez, on est déjà monté en pneus ultra soft. Du côté de chez McLaren, on ne prend absolument aucun risque dans cette qualification qui s'annonce difficile. On verra si on peut tirer son épingle du jeu avant de passer en Q3, qui devrait un peu plus eh bien, faciliter la tâche aux voitures. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus, il a plu depuis la fin du vendredi. Et donc, la piste n'est pas très gommée. Et donc, plus on va rouler, mieux ce sera. Après la troisième séance qui a eu lieu tout à l'heure, et bien ici, il faut désormais se battre seul face au chrono. Et le trafic peut également jouer un tour pour certains pilotes s'ils sont envoyés en piste de manière erronée par leurs ingénieurs. En tout cas, place désormais au tour chronométré dans cette Q1 pour Van Dorn, qui évolue toujours dans le premier secteur. Il est pour l'instant eh bien, aux alentours de la 4e place. On le voit avec le Delta qui se place dans la couleur verte en haut à gauche de votre écran. Voici ce virage qui a été modifié pour des raisons de sécurité. Alors que pour l'instant, les pilotes habitués au milieu ou en fond de grille sont en train de se passer le relais en tête avec le meilleur temps proviseur. Pour l'instant, c'est le Français Romain Grosjean qui est le plus rapide, alors qu'il y a des pilotes qui sont en train seulement de sortir maintenant dans cette Q1. Donc on est assez prudent sur le moment choisi pour prendre la piste ici à Singapour. Et c'est assez délicat parfois de pouvoir obtenir un tour libre avec peu de trafic. Voilà, pour Van Dorn, ça continue avec l'attaque maximale, peut-être même un petit peu trop. Quelques réprimandes effectuées par la direction de course par certains pilotes qui se demandaient si on pouvait aller ou non dans certains endroits de la piste. Et la direction de course a dit tolérance zéro, tout simplement. Et le premier qui ira mettre les roues au-delà de la ligne blanche se verra rappelé à l'ordre. Pour l'instant, le meilleur temps, et c'est une belle performance, c'est pour Kimi Raikkonen en pneus super soft. Des pneus qui, je vous le rappelle, sont quasiment 6 dixièmes plus lents que les ultra soft. Mais vous le voyez, à ce stade-ci, c'est Hamilton qui a repris les rênes. Au final, dans cette Q1, vous découvrez les pilotes qui sont passés, ceux qui restent sur le banc de touche, notamment eh bien, une petite catastrophe pour les deux Williams, alors que Esteban Ocon place la Manor en Q2. Ça se passe bien, le pilote français qui a eh bien, plutôt apprécié les débuts dans ce Grand Prix urbain, le premier de sa jeune carrière en Formule 1, alors qu'on le chuchote déjà en train de lorgner un baquet dans une autre écurie pour l'année prochaine. On vous en reparlera peut-être pendant le Grand Prix. Deuxième séance, ici pas de nuages, pas de pluie, le ciel est bien clair, on peut apprécier eh bien, les illuminations des nombreux buildings qui entourent cette piste. Les vues aériennes sont assez particulières, on voit même le trafic passer au-dessus du circuit, les gens ne s'arrêtent même pas, rendez-vous compte. Il y en a qui sont bien loin de tout cela. Et à la demande des pilotes, certaines lumières ont été également modifiées parce qu'ils étaient gênés par les reflets et certaines ont été orientées différemment. Certains pilotes s'en étaient plaints l'année dernière, notamment Fernando Alonso. Et pour éviter de retrouver ce problème cette année, eh bien, on a modifié pas mal certaines dispositions de lampes. Alors que c'est Palmer avec la Renault et Julian Palmer, le Britannique, qui a également son baquet en sursis pour l'année prochaine chez Renault. On ne sait toujours pas qui pilotera l'année prochaine pour la marque française. Gutiérrez, le Mexicain avec la Haas, qui repasse devant les Renault. Va être intéressant de voir qui va rester bloqué en Q2. On estime déjà, je pense, qu'Esteban Ocon va y rester. Peut-être
les Renault, mais qui va réussir à passer en Q3? Il y a toujours une voiture qui parvient à se faufiler de manière assez intéressante. Pour l'instant, c'est Sainz, le plus rapide. Très bon début de week-end de la part des monoplaces italiennes de chez Toro Rosso. On espère les voir bien placés sur la grille. Pour l'instant, le travail est fait par Sainz et Kvyat, même s'ils ont pris un peu de retard face à Williams et McLaren au classement constructeur. Hamilton, qui semble pour l'instant inarrêtable depuis le début de cette qualif, il est parmi les pilotes qui sont dans le coup. Et on va découvrir le chrono de la Q2. Officiellement, c'est donc Fernando Alonso, rendez-vous compte, qui a été le plus rapide. Il faut désormais se méfier des McLaren à la régulière. Il devance les deux Scuderia Ferrari, les deux Mercedes et les deux Toro Rosso. Esteban Ocon partira quand même devant Kevin Magnussen, les Renault qui sont pas mal dans cette deuxième partie de saison. Ils sont en train de redresser la barre après une première partie plutôt compliquée. La Q3, elle débute maintenant. Vous avez vu que tout le monde est parti en pneus super soft lors de la Q2, parce qu'on sait déjà que demain, eh bien, il va pleuvoir. C'est ce que dit la météo ici à Singapour. Donc, on n'a pas cherché midi à 14h du côté des pilotes. On a monté les pneus les plus tendres pour être le plus rapide en Q2. Vous avez vu qu'habituellement, eh bien, c'est Vettel, Bottas, Massa qui essayent de passer en Q3 avec un train de pneus un peu moins tendre. Et cette fois-ci, eh bien, tout le monde est resté logé à la même enseigne. Et dernière séance donc, l'attention maximale pour déterminer les 5 premières lignes de cette grille de départ du Grand Prix de Singapour. On est avec toujours Stoffel Vandoorne qui continue à bien travailler, à remplir son contrat au sein de McLaren depuis la fin du Grand Prix de Belgique. Je vous rappelle, il est désormais titulaire du poste de premier pilote. C'est lui qui dirige la recherche et les ingénieurs désormais. Alonso est un petit peu plus en retrait. Et Sainz, pour l'instant, n'est pas en retrait, mais bien en avant avec le meilleur temps de cette Q3. Ça ne devrait pas rester longtemps dans cet état-là avec les pilotes qui enchaînent chacun leur tour dans cette troisième partie de qualification. On rappelle, 12 minutes pour entrer le meilleur temps. Avec la confirmation de la pluie, demain on va peut-être voir certains pilotes tenter 2 voire 3 runs. Kimi Raikkonen s'empare pour l'instant de la pole position provisoire en 1.43.831. La Ferrari qui a l'air vachement agile ici. Il va falloir s'en méfier. Au niveau du classement, la lutte est toujours extrêmement serrée entre les pilotes aux machines grises et aux machines rouges. On va voir comme à l'époque s'il y aura bien un duel gris-rouge. On espère que ça bougera un petit peu l'année prochaine avec des outsiders comme par exemple eh bien, Toro Rosso ou encore McLaren. Vandoorne qui termine son chrono et c'est pour l'instant le quatrième temps derrière Max Verstappen à 8 dixièmes de Kimi Raikkonen. La fin de cette séance qualificative et vous découvrez la surprise, c'est Fernando Alonso qui se place 3ème et Nico Rosberg qui a tapé le mur et qui ne sera donc pas titulaire d'un chrono dans cette 3ème séance. Place maintenant au moment le plus important, la course. Bonjour et bienvenue à tous dans les rues lumineuses de Singapour. J'ai du mal à croire que cela fait déjà 10 ans que nous venons ici. J'ai l'impression que c'était hier que Felipe Massa sortait des stands avec le tuyau de carburant encore accroché à sa voiture lors de la course inaugurale. Dans cette compétition qui se gagne souvent en pôle, qui sera sacré vainqueur? Situé à 140 km au nord de l'équateur, ce circuit de 5,6 km est chaud, humide et incroyablement exigeant pour les pilotes à cause du revêtement inégal et des barrières. Ces 23 virages nous font traverser la baie à 2 reprises. La vue est spectaculaire et la chaleur insupportable. La course promet d'être incroyable. Je suis avec Nicolas Martin dans la cabine ce soir. C'est une grosse course, une véritable épreuve d'endurance. Je me demande quel est l'état d'esprit sur la grille en ce moment. Il faut souligner les conditions de course très difficiles, surtout si l'on considère que c'est la course la plus longue du calendrier en termes de durée. C'est aussi l'une de ces courses au cours de laquelle il ne faut pas oublier de boire, sous peine de se déshydrater. Souvenez-vous du jeune Kevin Magnussen il y a quelques années. Et puis il ne faut pas oublier le revêtement inégal. Jetez un œil aux caméras embarquées si vous avez l'occasion pendant la course. Les mouvements des suspensions et du châssis sont incroyables. Maîtriser la voiture est une épreuve de force. Bon, c'est parti. Je sais ce que t'as dans le ventre. Ne me déçois pas. Nous allons à présent étudier la grille de départ. Au terme d'une séance de qualif exemplaire, Sebastian Vettel part en pole position et Kimi Raikkonen complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, Alonso, Hamilton, Daniel Ricciardo et Verstappen. Une McLaren, Sainz, Kvyat et Nico Rosberg. Perez, Palmer, Esteban Gutiérrez et Hülkenberg. Arianto, Magnussen, Felipe Massa et Romain Grosjean. Bottas et Ericsson. Felipe Nasser et Pascal Wehrlein complètent la grille de départ. L'extinction des feux ne saurait tarder à présent. Il est donc temps de nous diriger vers la piste. On est bon du côté moteur. Alors,
Et alors que vous le voyez, les gradins sont remplis à ras-bord ici à Singapour, autour du circuit de Marina Bay. On se retrouve pour le tour de formation désormais sous un ciel extrêmement chargé. Vous ne pouvez pas le deviner, mais il commence déjà à pleuvoir. Il y a quelques gouttes qui sont en train de s'écraser sur notre cabine. Pour votre information, nous sommes juste au-dessus de l'entrée des stands dans le troisième secteur. Et il y a quelques gouttes d'eau qui sont venues mourir sur notre vitre devant nous. On va voir si cela évolue rapidement. La météo annonçait effectivement de la pluie dès le départ. Elle n'est pas là, mais elle était en fait imminente sur les radars. Et beaucoup de pilotes se sont fait piéger. Et je pense que l'on va rapidement devoir observer des changements. Je vous disais tout à l'heure que pas mal de pilotes étaient partis en pneus soft pour cette Q3. Et bien, un seul est passé quand même en super soft. Et bien, c'est Max Verstappen, le néerlandais, qui lui avait réussi une Q2 avec des pneus super soft. La Red Bull qui était extrêmement véloce ici, mais pas autant que les Ferrari qui verrouillent de nouveau la première ligne. Belle performance de la part des deux machines de Maranello. On va voir si ça peut aller au bout dans un Grand Prix très long, très endurant, très incertain aussi à cause de la météo. La séance de qualification nous a réservé quelques surprises, des bonnes et des mauvaises. La bonne notamment pour Esteban Ocon, le Français, qui partira bien loin devant Pascal Wehrlein, qui fermera la grille de départ aujourd'hui. Mauvaise performance pour les deux Williams, habituellement plutôt véloces sur ce genre de tracé. Et bien malheureusement ici, on les retrouvera bien loin dans le peloton. Mais la course, je vous le disais, longue et tout peut encore se passer. Le prix du jury pour le samedi a été attribué à Fernando Alonso, qui a réalisé l'une de ses meilleures qualifications cette saison. Les évolutions apportées au sein de McLaren et surtout de Honda sont en train de porter les fruits, et le retard annoncé par Honda en début de saison l'année dernière est en train petit à petit de se résorber. Et je pense que pour 2017, si la voiture continue d'évoluer dans ce sens-là, il se pourrait que McLaren devienne candidat au titre face à Mercedes, Ferrari et à Red Bull Racing. Les premières voitures sont en train de revenir. Voilà, nous sommes sur la gauche, là vous êtes en caméra embarquée avec Stoffel Van Dorn. Les premières voitures reviennent récupérer leur emplacement sur la grille de départ. Nous allons laisser cette partie du peloton se placer. Et ensuite, quand tout le monde sera prêt, drapeau vert, et on pourra démarrer le Grand Prix de Singapour. Alors qu'il pleut désormais vraiment sur cette grille de départ. On a hâte de voir ce que tout cela va donner. Les feux s'allument ici à Singapour, le départ est imminent et c'est parti avec un bon envol de Lewis Hamilton et de Fernando Alonso qui est en train de passer entre les deux Ferrari. Il se retrouve à 3 de front, ça ne peut pas passer, le sandwich, l'accident entre tout le monde, il y a des voitures arrêtées, il y a une manœuvre, il y a une Toro Rosso au ralenti, je crois que Stoffel Van Dorn est touché et je me demande si les pilotes n'ont pas été surpris par l'eau qui est déjà en train de venir rendre cette piste gramouillée sortie de la voiture de sécurité. Et elle est sortie juste derrière le peloton, donc il va y avoir une très longue procédure derrière ce pace car. Ah, c'est dommage, il faudrait revoir ce qui s'est passé parce que là, il s'en est passé des contacts avec donc devant les deux Ferrari qui ont pris en sandwich Fernando Alonso, laissant le pilote espagnol sans route. Heureusement, pas de bobo pour les voitures. Il y a pas mal de morceaux de carbone. Tout le monde s'est arrêté, s'est empressé de freiner dans ce premier S, plus que de raison. Alors que vous le voyez, les gouttes de pluie continuent de tomber ici à Singapour. Ça devient vraiment une question de savoir si l'on va rentrer, monter des pneus intermédiaires en profitant, pourquoi pas, de la voiture de sécurité. Vous le voyez, on évolue au ralenti avec donc Vettel qui a pris le meilleur départ de ce Grand Prix de Singapour devant Raikkonen, ce qui semble être Daniel Ricciardo, troisième. Quatrième Alonso qui avait pourtant pris un excellent envol mais qui s'est fait toucher par les Ferrari. Tout comme Hamilton qui était aussi en train d'ouvrir le peloton avant le premier freinage. Ensuite on a Verstappen, ce qui semble être Van Dorn, et l'une des Force India, c'est Sergio Perez. Alors que vous voyez, l'ensemble du tracé de Singapour est sous régime de voitures de sécurité, sous drapeau jaune mais surtout sous la pluie. Et là je me demande s'il n'y a pas en effet quelque chose à tenter pour l'ensemble des pilotes. Alors on sort, on est en train de se préparer dans les stands chez Ferrari, chez McLaren. Chez Manor, Sauber et Renault, on est sorti, mais chez les autres, on ne bouge pas. Et est-ce qu'on ne serait pas en train de monter déjà des pneus intermédiaires? Chez Van Dorn, le choix semble déjà acté. Et on va découvrir qui va rentrer déjà. Alors, honnêtement, je ne vois pas l'intérêt de monter des intermédiaires maintenant, pour tout vous dire, parce qu'il ne fait pas vraiment humide dans cette partie-ci.
de la piste. Il y a des gouttes, mais franchement, pas de quoi nécessiter l'intervention des pneus intermédiaires, alors que l'on pense contrairement le contraire. Quelque chose de différent chez McLaren. Et on fait rentrer Stoffel Vandoorne, qui va perdre énormément de temps et de place. Après, c'est un arrêt sous régime de safety car. Alors, va-t-on avoir assez de pluie pour que tout le monde doive rentrer? Il y a une autre voiture qui est également au box. Je crois que c'est une Williams, alors qu'on change le museau. Voilà ce qui explique l'arrêt un peu prématuré de Stoffel Vandoorne. Et on lui montre des pneus intermédiaires et un nouveau museau avec peut-être un peu plus d'appui. Manœuvre qui n'aura pas perdu beaucoup de temps. Et même opération effectuée sur la Haas du pilote mexicain. Allez, on libère ces deux voitures-là. Voilà, peuvent à la régulière aller rechercher les voitures et se replacer. Enfin, deux pelotons. Vettel, vous le voyez, avec désormais voilà des petites gerbes d'eau qui se soulèvent derrière les pneus arrière. Signe qu'il n'est jamais trop tard pour venir monter des intermédiaires. Alors, va-t-on mettre les deux Ferrari dans le même cas? Parce que là, je vous avoue qu'on est dans une position plutôt favorable du côté de la Scuderia, avec les deux voitures qui sont désormais en tête, alors que la pluie vient de nous donner une petite coupure d'image. Les satellites ne passent même plus tellement il y a de l'orage à Singapour. Alors, il n'y a pas vraiment de l'orage. Pour l'instant, ça reste vraiment quelque chose de gérable, alors que les premières gouttes, vous le voyez, apparaissent sur les caméras de la FOM. Va-t-on assister à un arrêt? Vettel qui plonge, Vettel qui rentre. Raikkonen continue. C'est dommage qu'on n'ait pas pu voir qui a opté pour la voie des box, mais je pense que, eh bien, comme le veut la tradition, ce sera le premier pilote de chacune des écuries en piste. Et bien voilà, Alonso désormais qui rentre, mais là, je crois qu'à la fin de ce tour, la seule équipe qui aura deux voitures en pneus intermédiaires sera McLaren et peut-être Haas. Ici, c'est Ricciardo qui ressort. On va rentrer également Felipe Nasser sur la gauche de l'image, alors qu'Eriksson n'avance pas. Il faudrait qu'il avance, Eriksson, pour permettre à Vandoorne de ne pas perdre trop de temps. Mais Eriksson est en pneu slick, donc il a beaucoup plus de mal. Allez, les pneus intermédiaires du côté de Williams pour Massa. Et oui, Vandoorne qui s'impatiente, alors qu'il y a encore beaucoup de morceaux de carbone. On est ici avec Esteban Ocon, le Français qui repart juste derrière l'une des Mercedes. Il est bien placé pour l'instant, Ocon. Allez, deuxième changement de museau chez Haas. C'est au tour de Grosjean de venir changer la partie avant de sa monoplace. Et on retrouve Stoffel Vandoorne à la porte des points. Et deuxième salve d'arrêt au box, la safety car qui continue. Ça fait 3 tours pour l'instant que la voiture de sécurité est en piste. Et s'il pleut de trop, on pourrait la voir rester pour d'autres raisons après avoir nettoyé les débris en bord de piste. Attention, il y a encore des pilotes qui n'ont pas ravitaillé. C'est Bottas qui sort. Vous voyez qu'on est prêt aussi chez... je crois Force India. On a vu une Renault sortir également. Il va falloir faire le point sur la suite du peloton. Attention, on est avec ici Sergio Perez qui passe peut-être la Ferrari de Raikkonen. Et oui, et bien joué pour les hommes de Vijay Mallya. Surtout la voiture de sécurité sur ce tour. Essaie de chauffer les pneus à la bonne température. Et n'oublie pas qu'il est interdit de doubler jusqu'à la première ligne de la voiture de sécurité. Garde ta position jusqu'à l'apparition du drapeau vert. À l'issue du quatrième tour de course, on va enfin libérer les bolides avec une piste détrempée, mais les bons pneus, avec un changement assez intéressant au niveau du classement, puisque celui qui a fait le coup de fusil, comme on dit, eh bien, c'est Stoffel Vandoorne, puisqu'on a désormais le classement suivant: Vettel, Ricciardo, Vandoorne, avant Hamilton et Fernando Alonso. Regardez, tout le monde est à la queue leu-leu. Là, Vettel qui prend beaucoup de temps, il ralentit beaucoup, attention à ne pas trop ralentir. Le pilote allemand a déjà été sanctionné par le passé pour avoir laissé plus de 10 voitures d'écart entre lui et la safety car. Je rappelle qu'on ne peut pas dépasser avant la ligne de safety car et non pas la ligne de départ arrivée. Vettel qui est très lent au point que Vandoorne doit se décaler devant Hamilton. Et on va repartir. Voilà, drapeau vert imminent. Vettel qui a repris un rythme de course et il va attaquer directement Daniel Ricciardo. Et Stoffel Vandoorne qui s'empare de la deuxième place du Grand Prix de manière plutôt opportuniste. Alors que l'on entame le cinquième tour de course, mais le premier véritable tour à régime de compétition. Vettel en tête, donc devant Vandoorne. Ricciardo qui, avec ce dépassement du pilote belge, se retrouve voilà acculé juste devant Lewis Hamilton, Perez et je crois Kimi Raikkonen, qui est celui qui a perdu le plus dans cette aventure. Je rappelle que dans les conditions humides, la direction de course désactive le DRS. On ne verra donc pas nos amis utiliser l'aileron mobile dans cette première partie de course, en tout cas puisque la pluie devrait s'intensifier selon
ce que l'on voit sur notre radar ici en cabine, qui n'est peut-être pas le plus fiable, mais qui est en tout cas celui de la FIA. Petite vue du haut des buildings, très nombreux, je vous le disais, à aborder cette piste de Singapour. Et un peloton qui reste très compact malgré les différences d'adhérence. On a peut-être déjà une trajectoire qui est en train de sécher puisque la pluie est stagnante. Pour l'instant, pas de grosses averses, quelques gouttes qui tombent, de quoi justifier de ne pas être en pneu slick avec Van Dorn qui est allé bien large dans ce virage-ci. Et Vettel comme à la parade qui est en train de prendre un avantage conséquent. Et vous voyez qu'en pneu intermédiaire, ça n'est pas forcément très simple non plus. Van Dorn qui a réussi à passer Ricciardo, mais encore faut-il maintenant tenir cette McLaren qui, même en ligne droite, vous le voyez, est plutôt balbutiante dans son comportement. On est en train d'améliorer logiquement les secteurs, tout le monde est dans le mauve puisque c'est le premier tour, je vous le disais, effectué en rythme de course. Et drapeau jaune, que s'est-il passé? Et il y a une voiture qui semble avoir été au ralenti en fin de peloton, je ne sais pas de qui il s'agit, c'est une voiture claire qui s'est écartée. Je crois qu'il y a peut-être eu un contact avec le mur et une crevaison. C'est pas impossible. On voit un pilote au ralenti dans le fond de l'image. Alors qu'ici, on est avec Lewis Hamilton à la chasse pour peut-être passer à Daniel Ricciardo en difficulté. Parce que Verstappen est à la lutte aussi avec l'une des Toro Rosso. Hamilton qui se fait très pressant. Et Ricciardo aussi sur Van Dorn. Et ces trois-là qui sont en train de s'expliquer. Avec un avantage au moteur Mercedes, mais désormais la McLaren peut se défendre avec ses dernières évolutions, notamment d'appui sur le train arrière. Elle peut mieux relancer en virage ce qui était un de ses points faibles depuis le début de la saison avec le moteur. Je pense que Honda n'apportera plus d'évolution moteur pendant ce partiel de 2016. Et l'attaque peut-être, et non, Ricciardo ne peut pas trouver l'ouverture sur Van Dorn. Qui défend raisonnablement pour l'instant. Alors on sait que les manœuvres de défense du pilote belge sont parfois discutables. On l'a vu par le passé, notamment à Monza où Nico Rosberg, fou furieux, ne s'est toujours pas remis de ce qui s'est passé à la chicane Nascari. Avec, on vous le rappelle, le contact avec Stoffel Van Dorn en tout début d'épreuve. Alors qu'on annonce un peu plus de pluie. La pluie qui devrait rester un peu plus présente. Et la vue depuis l'hélicoptère. Trajectoire intéressante pour le pilote belge. Alors qu'en tête, Sébastien Vettel continue son chemin. On sort avec ce temps. Nous surveillons la quantité d'eau sur la piste. Et d'après nous, tu devrais pouvoir garder les pneus intermédiaires pour l'instant. Et ça bloque pour Van Dorn. Et je vous le disais, Vettel qui désormais prend des dixièmes, des centièmes et même des secondes d'avance sur Van Dorn. Il est seul à l'image alors que l'on est dans le sixième tour de course. Van Dorn a du souci à se faire s'il veut aller rechercher la Ferrari qui semble être la voiture de cette deuxième partie de saison. Inarrêtable la monoplace italienne. Allez, on retrouve le pilote belge en caméra embarquée alors qu'il a réussi à décrocher un petit peu de Ricciardo qui est en bagarre toujours avec Lewis Hamilton. Et on switch de vue en caméra embarquée avec des pilotes qui prennent un peu plus de spray ici. En l'occurrence Valtteri Bottas qui est à l'attaque d'une des Sauber. D'information devrait être, je crois, Felipe Nasser puisque Marcus Ericsson était rentré au stand un petit peu après tout le monde. Il était au ralenti. Le pilote suédois de retour avec une équipe Manor qui est pour l'instant en train de bien travailler. On est proche des points chez Manor et on devrait pourquoi pas continuer à débloquer le compteur. Celui qui a perdu beaucoup, c'est Nico Rosberg qui est l'un des rares pilotes de tête avec Van Dorn à avoir dû changer de capot moteur au moment de l'accident du départ. De moustache, de nez, appelez ça comme vous voulez, pardon. Non, on n'a quand même pas perdu le capot moteur. Même si certains pontons ont souffert. On a vu quelques appendices aérodynamiques avec beaucoup de carbone dans le premier gauche. Retour en caméra embarquée avec Daniel Ricciardo. Toujours à la chasse de Van Dorn. Peut-il porter l'attaque? Non, mais il doit se méfier, Ricciardo, que s'il se décale de sa bonne trajectoire, et bien derrière, Lewis Hamilton risque d'en profiter plus que de mesure, puisqu'on sait le pilote britannique
à la chasse des points. En caméra embarquée, désormais avec Hamilton. Et Rosberg qui est en train de manquer de chance dans cette lutte à 4, vraiment. Il n'a plus son mot à dire pour l'instant après Monza. J'espère qu'il pourra redresser la barre sur deux circuits qu'il aime bien. Ici, Singapour et lors du prochain Grand Prix en Malaisie. Et vous voyez ce peloton toujours aussi compact dans cette première partie d'épreuve. Une épreuve qui risque d'être longue, je vous le disais. Le circuit le plus difficile peut-être de la saison en termes de rythme avec, pourquoi pas, Bakou et la différence entre sa partie rapide et sa partie technique. Et regardez l'écart avec Vettel qui est absolument hallucinant. Van Dorn qui bouchonne, il n'y a pas d'autre mot. Pour l'instant, la McLaren est en train bien de faire la course pour Vettel, mais il n'a pas le choix. Parce que je pense que si Van Dorn en laisse passer un, ce sera 2, puis 3, puis 4. Alors que là, il pleut beaucoup pour Vettel. On n'avait pas vu autant d'eau à l'image depuis le début de l'épreuve. Va-t-on peut-être devoir observer un arrêt pour monter des pneus pluie full wet, ce que vous reconnaîtrez facilement si on les monte avec la bande bleue qui les entoure. La fenêtre de ravitaillement s'ouvre dans 8 tours. 24 tours restants. On réfléchit à une stratégie viable que nous aimerions utiliser. Tu souhaites continuer sur ta lancée ou on change? Compris, bien sûr. Et vous l'avez entendu, Stoffel Vandoorne qui vient de s'accorder avec son ingénieur Jeff pour remettre des pneus, cette fois-ci des pneus pluie. Il pleut beaucoup à Singapour. Et oui, vous constatez que les murs d'eau soulevés par les voitures est plus important que tout à l'heure. Alors, est-ce que ça justifie déjà des pneus pluie? On verra bien. Avec Fernando Alonso, vous voyez bien l'état des pneus qui ne sont pas si usés que ça pour le moment. Alonso qui a un casque assez particulier pour ce Grand Prix de nuit. Un casque avec des reflets très sombres, pailleté noir, qui s'éclaircit pendant quelques secondes sur certains angles avec la lumière. C'est assez original. On sait que les pilotes ont l'habitude de préparer des casques un peu particuliers. Ce qui n'est pas le cas de Stoffel Vandoorne qui reste fidèle à ses couleurs belges. Et regardez le peloton qui n'a jamais été aussi serré. Et Vettel qui est en train de rentrer, monter des pluies. Et je crois que ça va être le même pour Van Dorn. Voilà, et là il y a du monde qui va passer par la pitlane. Il y a Alonso qui reste en piste, Verstappen. Et on ne peut faire rentrer qu'une voiture à la fois. Peut-être chez Ferrari, les deux vont pouvoir rentrer ce tour-ci, mais ça risque d'être compliqué. Et c'est la ruée vers les pistolets pneumatiques. Et on monte les pneus pluie, ça y est. Et Van Dorn qui s'en sort bien. Ah, il y a des pilotes qui sont un peu bloqués. Ici Pascal Wehrlein avec la manœuvre et ça ressort bien. Ah, il perd du temps Wehrlein malheureusement, il y a beaucoup de pilotes qui doivent repasser devant lui. Il y avait également je crois Romain Grosjean. Et bien voilà, on se retrouve avec une partie du peloton chaussée en pneus extrêmes et le reste en pneus intermédiaires. Alors à qui l'avantage? Pour l'instant c'est Marcus Ericsson, le dernier pilote en pneus intermédiaires. Il est dixième, le pilote suédois. Mais il n'y a pas encore beaucoup d'eau, donc est-ce que ça n'est pas prématuré? En tout cas, le choix qui a été effectué par beaucoup de pilotes en ce moment. Et c'est peut-être un peu plus impressionnant qu'à l'œil nu. Et c'est Esteban Gutiérrez qui rentre désormais. Pilote pour qui c'est pas facile depuis le début de ce Grand Prix de Singapour avec déjà un changement de museau en début d'épreuve. 9e des 31 tours, je vous l'ai dit, ça va être aujourd'hui une véritable course à l'usure pour les pilotes et il n'en restera peut-être pas 22 à l'arrivée. Pour l'instant, après les heures que l'on a connues au moment du départ, on se retrouve quand même avec tous les pilotes en piste, même si certains ont dû opter pour les arrêts au stand. Regardez, voilà, ce casque d'Alonso particulièrement impressionnant, tout de noir vêtu. J'ai l'impression que c'est Dark Vador qui roule avec la McLaren. Alonso qui a dit la course de Monza était la plus belle de l'ère McLaren Honda, nouvelle génération. Et il espère, pourquoi pas, alors ça c'est la vraie ambition d'Alonso, il nous l'a avoué lors de la conférence de presse réservée aux pilotes, et bien pourquoi pas remporter une course cette année. Il a été très proche à Monza, il attend d'autres circuits, et pourquoi pas Suzuka. Alors on se rappelle tous du message laissé par Alonso alors qu'il rentre au box lors de la course du Grand Prix du Japon 2015 où il qualifiait son moteur de GP2. GP2 Engine, cette phrase célèbre qui a fait le tour du monde. Et bien cette année je ne pense pas que l'on verrait ce genre de phrase de la part
du taureau des Asturies, qui d'ailleurs est au box. Et on chausse les gommes sculptées pour le full wet. Et ici, c'est Esteban Ocon qui s'arrête. Et Hülkenberg qui lui est déjà chaussé de nouvelles gommes. Voilà la Manor qui reprend la piste. Rosberg qui est toujours enfermé dans cette partie atroce du peloton, la dernière. Et Van Dorn qui bien reprend sa deuxième place. Et Alonso qui se retrouve troisième. Et oui, le pilote espagnol qui était bien placé sur la grille de départ et qui retrouve sa position. Belle performance. Et Vettel toujours en tête, vous le voyez, du haut des immeubles ici à Singapour. Et attention parce que du côté de Stoffel Vandoorne, on a consommé beaucoup de carburant et il ne faudrait pas se faire surprendre par une consommation excessive de ce dernier. Pas encore eu de réelle panne d'essence cette année. Que ça commence à arriver. Vous découvrez les écarts devant avec désormais eh bien voilà Alonso qui eh bien si on se tient au deuxième secteur est plus rapide que son équipier. Alors comment va-t-on gérer cette situation chez McLaren pour la première fois? Alonso qui est désormais deuxième pilote et plus rapide. Va-t-on voir le Belge s'écarter? Alors on sait qu'il y a bonne entente entre les deux pilotes alors qu'au début de saison n'était pas gagné, quelques petites frictions en piste, mais depuis, eh bien, ils ont l'air de s'être retrouvés ces deux-là, et ils pourraient former une paire assez intéressante pour 2017. On n'y est pas encore évidemment, mais Alonso, pour l'instant, fait profil bas depuis le début de saison et enfin commence à avoir le bout des difficultés qu'il avait à préparer sa voiture. Redécouvrant une McLaren Honda, il a dit une nouvelle jeunesse à Monza avec. Eh bien le nouveau moteur et ici le Monkey Seat à l'arrière qui a été retravaillé pour des conditions extrêmes comme celle-ci, ce n'est pas un moindre mal. Nouveau tour avec un écart plus que conséquent pour Vettel qui mène ce Grand Prix pour 14 secondes face aux McLaren qui sont bien installés. Et oui, Alonso devrait peut-être penser à passer son équipier qui est eh bien tout simplement moins rapide. Alors est-ce que chez McLaren les consignes vont être données? En tout cas, l'image, le message, lui, il est clair. Il est gêné par Van Dorn. Alors, est-ce que Alonso va réussir à trouver l'ouverture sur son jeune équipier belge? Il faut se rappeler que si vous étiez fan d'Alonso, vous ne le savez peut-être pas, mais il avait à l'époque de bons souvenirs avec David Salens. C'était en Formule 3000. À la fin des années 90, et voilà le switch de position. Van Dorn qui s'efface pour laisser place à Alonso plus rapide. Alors pour combien de temps? On ne sait pas, mais McLaren a décidé de jouer la sécurité au championnat et a demandé, je pense, au pilote belge de s'écarter ou l'a-t-il fait de son propre gré? Pas impossible non plus, parce que là, c'est difficile et maintenant il va falloir retenir Lewis Hamilton. Il va devoir travailler pour son équipier, je pense que c'est une des rares fois cette saison. Avec Lewis Hamilton. Quelques tours plus tard à l'attaque de Van Dorn. Alors que l'eau est toujours aussi présente sur les routes de la ville de Singapour. Il nous accueille pour à bientôt la 10e année. Il s'en est passé des choses ici, notamment en 2008. Certains disent que c'est ici que Felipe Massa a perdu le titre de champion du monde. Même si ça a pu être en d'autres occasions, la casse moteur en Hongrie, on s'en rappelle. Sous la chaleur à 3 tours de l'arrivée, saison particulière. Felipe Massa qui a annoncé que c'est la dernière. Oh, voiture de sécurité! Voiture de sécurité! Alors de notre côté, on n'a absolument aucune voiture à l'arrêt sur notre écran. Quelle est la raison de la sortie de cette voiture de sécurité dans le 12e tour de ce Grand Prix de Singapour? On est avec Vettel qui ralentit évidemment avec... la règle du delta jusqu'au retour derrière la safety car. Et la direction de course qui nous annonce que voilà, sortie en piste de la voiture de sécurité parce qu'il y a trop d'eau sur le circuit.
La piste est devenue trop dangereuse et donc la safety car est sortie pour des conditions de sécurité. Je crois que c'est une première cette année où l'on fait vraiment sortir la safety car suite à trop d'eau. Alors que j'ai pas l'impression qu'il y en ait plus que tout à l'heure. Ça va encore amener des débats. Avant, on sortait rarement la voiture de sécurité à moins que la piste ne soit obstruée. La première réelle fois où la safety car a été utilisée, c'était au Grand Prix du Brésil en 93 où il y avait Fittipaldi qui était en tête à queue avec Alain Prost dans la ligne droite des stands. C'était aussi Katayama sur la footwork, je crois, qui était sorti alors que c'était le déluge. Williams qui avait oublié de faire rentrer Alain Prost, qui avait préféré faire rentrer Damon Hill, rendez-vous compte. Et Prost qui avait terminé sa course dans le virage qui portait le nom des S de Senna, quel hasard. La première véritable intervention de la voiture de sécurité dans ce Grand Prix pour un problème de sécurité après le nettoyage des débris au moment du départ, et donc une nouvelle longue période de neutralisation qui attend les pilotes. Il va falloir garder les mains sèches et les pieds sur terre, parce que là il ne faut pas s'énerver du tout. Mais tu iras plus vite. Et la safety car qui repart pour un nouveau tour. Il y en a 14 de couverts et on n'est pas au bout de nos surprises. On rappelle que la première fois de mémoire où la safety car était sortie pour des raisons de conditions de pluie alors que la piste n'était pas obstruée, même si des voitures étaient dans le bac à gravier, eh bien c'était au Grand Prix d'Europe 2007 qui se disputait au Nürburgring. Et rappelez-vous, course qui avait été marquée par la seule fois où une voiture de l'équipe Spyker avait mené un Grand Prix, c'était Marcus Winkelhock qui avait, après avoir pris la tête de course, eh bien mené pendant quelques tours avec la modeste Spyker, puisque tout le monde était parti en pneus slick sauf lui. Allez, on va pouvoir reprendre un rythme de course alors que je ne trouve pas que l'intensité de la pluie a baissé, mais c'est à l'appréciation du directeur de course. Et voilà, avec désormais les leaders qui sont au pas à la commande de Sébastien Vettel. Leader pour l'instant de ce Grand Prix qui va devoir refaire tout le travail. Alors que ça se décale pour Van Doorn. Et Manor qui ne sont pas loin des points à surveiller. Et regardez Van Doorn qui va peut-être aller chercher Alonso, alors que sur la relance tout à l'heure, on a vu Van Doorn chercher tout de suite à dépasser. Alors peut-être qu'Alonso a aussi demandé à son équipe si Van Doorn était désormais avec des pneus en meilleur état pour le laisser passer, hein, puisqu'il y a l'air d'avoir très bonne entente après vous très cher du côté de chez McLaren. Et regardez, voilà, la ligne de safety car, elle est passée maintenant. Donc voilà, Van Doorn peut attaquer Alonso et ça ne passe pas. Mais il y avait quand même tentative pour le pilote belge. Oh, il est allé au large, Van Doorn, qui a failli perdre sa voiture sous la partie peinte de cette piste. Et celui qui n'attend qu'une chose pour en profiter, c'est Hamilton, hein, qui doit bien se placer aussi au championnat. Et les deux McLaren sont virtuellement sur le podium, c'est la première fois cette année. Absolument formidable la performance des deux machines de Woking. Et on annonce une accalmie du côté de la météo. Et ni une ni deux, on reprend les pneus intermédiaires du côté de Stoffel Vandoorn avec Lewis Hamilton ici. Et vous l'entendez, le passage de la puissance aux roues arrière qui est assez délicat. On n'ose pas forcément accélérer convenablement. Et vous l'entendez, c'est compliqué alors que devant, Van Doorn revient véritablement sur Alonso. Et dans le prochain virage, on va peut-être assister au retour du pilote belge. Ah oui, c'est passé. Où est Alonso? Ah oui, Alonso qui a laissé passer Van Doorn. Alors, est-ce que le pilote belge peut maintenant espérer aller chercher Sébastien Vettel? Voilà, on est avec Alonso, désormais troisième de ce Grand Prix de Singapour. Et il y a vraiment bonne entente chez McLaren. Alors que l'on est loin, loin d'être au bout de nos difficultés, puisqu'on est en train de discuter si on ne va pas passer, eh bien, sur une course au chrono plutôt qu'au nombre de tours, parce qu'avec les deux interventions de la voiture de sécurité et les différents changements de météo, eh bien, ça rallonge toute cette histoire. Et le Grand Prix qui n'est pas forcément le plus passionnant de l'année dans ces conditions, à part si un pilote tente quelque chose avec un autre type de gomme.
eh bien c'est un petit peu une procession, ce que l'on reproche souvent à ces circuits urbains. 1,0 seconde. Et on confirme que c'est bien Alonso qui est toujours derrière Van Dorn, mais ça ne saurait tarder de changer puisque, eh bien, Lewis Hamilton a envie de manger espagnol. Alors que Raikkonen derrière lui est à l'explication avec la première des Red Bull, la deuxième est un petit peu plus loin. Max Verstappen. Allez, est-ce que Raikkonen peut porter une attaque au bout de la grande ligne droite ? Non. Vettel mène la course. Alors que l'on confirme à Stoffel Van Dorn que c'est bien Vettel qui est en tête, et il le voit bien puisqu'il l'a devant lui. Alors maintenant, va-t-il pouvoir aller chercher le pilote allemand, parce que la McLaren a assez de ressources pour tourner plus vite que la Ferrari. On va le constater, en tout cas pour les écarts pour l'instant c'est équivalent. On retrouve tiens Nico Rosberg qui est en bagarre pour une position assez modeste. Il est 12e pour l'instant Rosberg, puisque la 10e place c'est dans l'escarcelle d'une Manor, je crois, Esteban Ocon qui est là juste devant Rosberg. C'est bien pour l'instant ce que fait l'équipe Manor, qui est en train de mener la vie dure à Sauber, qui ne peut pas mettre beaucoup de points. Allez, avec... Ils ralentissent, on dirait qu'ils rencontrent des difficultés avec leur monoplace. Et oui, on annonce à Van Dorn que Magnussen serait au ralenti. A-t-on été touché le mur pour le pilote de la Renault ? Ça risque d'être quelque chose de délicat. Les moteurs ici qui sont également soumis à rude épreuve. Oh, et Van Dorn qui est allé plus qu'allègrement sur le vibreur. Il n'aurait pas perdu sa voiture. En tout cas, il était vachement optimiste sur ce dernier gauche, le pilote belge. Et il revient. Alors, il a peut-être envie d'attaquer plus que deux raisons, mais attention. Charlie Whiting veille à ce qu'on respecte les bordures de ce tracé. Et vous voyez à bord de la voiture de Vettel désormais que Van Dorn n'est plus si loin que ça. Même s'il y a encore une marge avant de voir la McLaren réellement menacer la Ferrari. Alors qu'il pleut moins, regardez, il n'y a plus que quelques gouttes qui tombent. En tout cas, c'est beaucoup moins fort que tout à l'heure. Et on pourrait voir certains pilotes tenter de repasser en pneus intermédiaires. Peut-être en fin de peloton. Les premières mesures vont être prises pour les pilotes qui n'ont rien à perdre. Alors maintenant, ça risque d'être un peu plus tangent pour des structures comme Manor, avec une voiture déjà dans les points. Et Vettel qui poursuit la procession en tête, il n'y a pas d'autre mot. On réfléchit à une autre stratégie, tu veux changer ou continuer à suivre le plan initial ? Alors que du côté de chez McLaren, alors on constate que ça glisse et on demande à Van Dorn, tiens, tu ne voudrais pas monter des intermédiaires ? Eh oui ! Et vous le constatez, il y a beaucoup moins d'eau qui viennent terminer leur course sur la caméra de la FOM, alors qu'on confirme bien que ça va rentrer pour Van Dorn, qui était assez proche là, des Tech Pro. Et effectivement, c'est quelque chose d'assez difficile à comprendre, mais si une piste est moins humide, on ne gagne pas en adhérence avec les pneus pluie. C'est pour cela que les pneus intermédiaires d'ailleurs existent. Si la quantité d'eau à évacuer n'est pas assez importante, eh bien le pneu pluie surchauffe et perd du grip. Alors qu'ici, du côté de Raikkonen, on est toujours en train de chercher une solution sur l'une des Red Bull. Et derrière, il y a aussi un beau gouffre. Et on rentre pour beaucoup d'équipes. Et Van Dorn qui opte pour les box. Est-ce que Vettel a fait pareil ? Oui. Et bien voilà, on retrouve les deux leaders en tête avec désormais voilà, les pneus intermédiaires. Vettel qui n'est pas gêné. Également Hamilton qui ressort. Oh, Hamilton qui a perdu beaucoup de temps. Allez, oui, Hamilton qui a perdu du temps. Est-ce que Van Dorn peut repartir devant ? Et oui. Ah, c'est dommage pour Hamilton qui a été gêné par l'entrée des voitures derrière lui. Alors, il n'a pas perdu forcément des positions, mais plus du temps sur Van Dorn. Regardez les écarts désormais. Et la piste qui est en train de sécher. Et logiquement, les leaders qui optent pour les pneus intermédiaires. C'est fait en tout cas pour Vettel, Hamilton et Van Dorn.
Ils ressortent devant, je crois, Marcus Ericsson et Romain Grosjean. Et au tour suivant, c'est l'arrêt pour Fernando Alonso qui va lui aussi venir chausser des gommes intermédiaires. Et il est pour l'instant seul. Ça y est, on sort chez Red Bull, mais c'était très tard cette intervention des mécaniciens de l'équipe autrichienne. Et vous constatez ici, voilà, le casque d'Alonso. Et on a une Force India aussi qui opte pour les box. Je pense que tout le monde va désormais, voilà, évoluer en intermédiaire. Et le temps perdu par ceux qui sont rentrés ce tour-ci est assez important. Et Daniil Kvyat, le russe, qui ressort. On attend Marcus Ericsson, qui était aussi parmi les derniers à chausser les pneus pluie tout à l'heure. Il sera parmi les derniers à chausser les intermédiaires désormais. Voilà, la sortie de Marcus Ericsson de la pit lane. Et Van Dorn qui est donc désormais bien installé au deuxième rang puisqu'il a 22 secondes pleines d'avance sur Fernando Alonso qui est en lutte lui pour garder sa troisième place avec Lewis Hamilton. Et dans le 20e tour, Alonso résiste et Vettel aussi. Va-t-on assister au changement de position en tête? La McLaren qui a le potentiel pour aller chercher la Ferrari pour l'instant avec ses nouveaux pneus intermédiaires. Avant que les gommes ne s'écroulent et qu'on retrouve un rythme plutôt posé pour les deux pilotes, il va falloir continuer à cravacher. Allez, avec Lewis Hamilton. Toujours à la chasse d'Alonso, va-t-il trouver son bonheur et l'ouverture pour accéder au podium provisoire de ce Grand Prix de Singapour. Van Dorn qui est en train de faire un deuxième secteur de folie. Il est pour l'instant le plus rapide depuis le début de cette épreuve. Il s'empare d'un deuxième chrono dans le mauve. On va attendre le verdict du troisième secteur pour voir si le pilote belge s'est bien ressaisi et s'il est vraiment l'homme le plus rapide en piste. On est avec Daniel Ricciardo, l'Australien qui apprécie particulièrement ce genre de conditions. Il est devant Nico Rosberg et derrière l'une des Force India qui est, si je ne dis pas de bêtises, Nico Hülkenberg. Effectivement, son casque m'en a donné à l'instant la confirmation. Une Red Bull qui est en train d'essayer de remonter. Alors que derrière, Alonso conserve l'avantage sur Hamilton. Si ça continue, on va peut-être pouvoir même repasser des pneus slick. Hein, alors qu'on est à 10 tours désormais de l'abaissement du drapeau à damier dans un des Grands Prix qui s'annoncera comme les plus longs, hein, de cette saison. Vraiment une course d'endurance ici à Singapour. Allez, on retourne sur la lutte. Alonso, Hamilton, on a Raikkonen dans le fond de l'image. Et non, là, Hamilton qui ne peut pas se porter sur Alonso. La menace n'est pas directe pour le pilote des Asturies. Vous voyez, vous entendez que Van Dorn est en train de se battre avec sa voiture sur cette piste. Et la Ferrari est de plus en plus près. Il peut la toucher du bout du museau. Alors que derrière, le peloton est désormais bien réparti sur l'ensemble du circuit. Vettel, leader. Mais pour combien de temps avec un Van Dorn un peu plus rapide? Qui aurait prédit en début de saison que les deux McLaren allaient se battre à la régulière pour le podium ici à Singapour? Alors attention, la course n'est pas terminée. Il peut encore s'en passer. Si on est avec l'une des Williams qui tente, pourquoi pas, de retrouver les points devant ses Esteban Ocon qui se voit menacé par Valtteri Bottas, le Finlandais. Ces deux-là se battent pour des points importants d'ailleurs pour les deux équipes. Williams parce qu'elle se bat avec Toro Rosso et Manor parce qu'elle se bat avec Sauber et Renault. Ah, il y a un peu de retard pour Van Dorn qui commence à bien glisser. Je crois que la différence avec les pneumatiques est désormais terminée. Et sauf catastrophe, eh bien Vettel est en train d'aller gagner ce Grand Prix. Et ça le relancerait véritablement au championnat avec la deuxième place de Van Dorn, la troisième d'Alonso. Ça pourrait être formidable. Et Hamilton aussi, les deux leaders principaux sont derrière pour l'instant. Rosberg et surtout Raikkonen. Rosberg qui n'a vraiment pas de chance ces temps-ci entre Monza et Singapour où il part deux fois de très loin après des soucis dans les premières boucles. Il n'y a pas que le talent, il y a aussi la chance qui fait les champions du monde.
Et cette chance n'est pour l'instant pas avec Nico Rosberg, mais il a encore assez d'épreuves pour se ressaisir. Ici, on est avec Daniel Ricciardo à la chasse sur Hülkenberg. Voilà, Hamilton qui a fait la jonction sur Alonso. Et là, on voit mal comment la McLaren va résister aux assauts du Britannique. Ce sera intéressant de voir le point de vue de la voiture d'Hamilton pour voir l'attaque. Et bien voilà, il suffisait de demander. Merci à la réalisation qui ne nous entend pas puisqu'elle est britannique. Mais merci tout de même. Ah, ce fut bref, on n'a pas été complètement entendu. Alors que du côté de McLaren, on annonce encore 5 minutes de pluie avant peut-être de passer au pneu slick. Parce que mine de rien, eh bien, cette piste sèche. Et si on se lève voilà, dans notre cabine, on peut voir eh bien, que ça sèche véritablement au niveau de la trajectoire. Et que l'eau évacuée par les pneus intermédiaires ne revient pas sur cette même trajectoire. Et il pourrait y avoir donc changement d'ici peu. Sur l'arceau de la deuxième Toro Rosso, celle de Daniil Gat à la poursuite de son équipier. Et Carlos Sainz qui est bloqué, je crois, derrière Julian Palmer. Et là, Renault, effectivement, c'est le Britannique qui est devant. Et les deux Scuderia Toro Rosso. Et là, on se bat pour la 14, 15 et 16e place. Donc ça n'a pas de véritable valeur pour l'instant, mais... Mais ça peut changer. Et Vettel qui confirme l'assainissement de la piste avec un 2-0-2-2 alors que Alonso résiste encore et toujours. Voilà Hamilton. Mais là, je pense que l'on va bientôt pouvoir véritablement passer à des trains de pneus slick. Alors il n'y a pas pour l'instant de trajectoire à proprement dite sèche, mais ça devrait arriver rapidement. Et on sait que les pneus intermédiaires s'écroulent très rapidement chez Pirelli en cas de piste sèche. On va donc rester relativement attentif à qui va opter pour les box. Pour l'instant, tout le monde en piste, je peux vous le confirmer, est en pneu intermédiaire. Mais qui va être le premier à prendre le risque? Parce que passer d'un pneu intermédiaire à un pneu pluie n'est pas risqué, mais passer d'un pneu intermédiaire à un pneu slick, c'est toujours une manœuvre délicate. Je pense que là, c'est désormais la fin des espoirs pour Stoffel Vandoorne dans ce 24e tour de course qui a désormais bien décroché de Vettel. Et oui, la McLaren qui a certes bien évolué mais qui garde ses limites de développement face à une telle machine qui est Ferrari. Ferrari emmenée en tête pour l'instant par Vettel. Le pilote allemand qui se voit confier pour l'instant une copie parfaite hein, dans ce week-end de Singapour. Alors que l'on a une voiture qui est au ralenti sur notre écran, vous ne le voyez pas. Et je crois que c'est l'une des Renault qui est au ralenti, mais alors laquelle? On a vu que ça doit être Magnussen, étant donné que Julian Palmer eh bien, était devant les deux Toro Rosso et qu'à la seconde où je vous parle, il est toujours 4 dixièmes devant Sainz et Gviat. Ici, nous avons à l'image une lutte qui impose à Nico Rosberg de devoir dépasser s'il veut garder ses chances au championnat. 25e tour de course, il en reste 6. Et vous constatez que cette piste est quasiment sèche. Il n'y a plus beaucoup de gouttelettes qui viennent ruisseler sur les caméras de la FOM. On devrait donc logiquement retrouver rapidement des pneus secs. Alors que du côté de chez McLaren, on confirme à Vandoorne qu'il a encore les bons pneus. Mais je n'en suis plus sûr en vue des dérives qu'il effectue. Et on se renseignait encore sur les conditions météo, les pilotes qui sont dans ce genre de conditions très bavards à la radio. Hormis peut-être Sébastien Vettel, puisqu'il n'a pas besoin de réclamer les drapeaux bleus qui ont été un réel problème au Japon. Bien reçu, pneu ultra tendre à ton prochain arrêt. Au Grand Prix 2015, Vettel qui avait pesté sur les drapeaux bleus. Va-t-on avoir vice repetita de cela lors du prochain Grand Prix du Japon? Il faudra d'abord passer par la Malaisie avant de se retrouver sur le très technique 8 de Suzuka. Alors que c'est désormais confirmé, on va rentrer monter des pneus slick du côté de Stoffel Vandoorne. Mais je pense que Vettel a course gagnée. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de changer de pneus à l'heure actuelle. Ah, et on se contredit du côté de chez McLaren. Alors, Vettel... Regardez, à part les vibreurs, il fait sec, hein, il n'y a plus d'eau quasiment.
Ça semble jouable en intermédiaire, on va attendre. On sait que les pilotes sont très prudents dans les circuits urbains lorsqu'il faut repasser aux pneus pour piste sèche. Nous allons attendre le verdict du chronomètre pour Vettel. Va-t-il passer le transpondeur en améliorant encore ses chronos? Et oui, Vettel qui ne rentre pas ce tour-ci. Va-t-on avoir droit à un undercut chez McLaren? Pour l'instant, vous le voyez dans la pit lane, c'est le calme plat. Et où est Van Dorn? Est-ce qu'il est rentré? Non, il est là-bas, dans le fond de l'image. Mais à l'instant, j'ai cru qu'il était passé par la voie des stands. Et Alonso qui doit désormais faire avec deux voitures dans son échappement. Puisque je crois que, eh bien, il a été rejoint, Lewis Hamilton, derrière. Apparemment, les fans commencent à se résorber. Je pense que tu as encore les bons pneus pour le moment. Mais on ne va pas tarder à pouvoir chausser les slicks si ça continue. L'appel des slicks, l'appel du pied. Va-t-on voir les leaders rentrer? Vettel continue, alors que là, c'est vraiment la discussion qui va être le premier à oser. Est-ce que Van Dorn y va? Eh oui, Van Dorn qui plonge. Alors là, ça va être intéressant. Vettel qui n'est pas rentré et Van Dorn qui va opter pour des pneus, visiblement pour piste sèche. L'undercut du pilote belge et Raikkonen qui rentre également. On va peut-être rater le coup du côté de chez Ferrari. Est-ce qu'on nous confirme comment des pneus? Alors, quels pneus? Des soft, des super soft ou des ultra soft? Et ce sera des ultra soft pour le pilote belge. Et oui, en 7 tours, pas besoin avec les conditions fraîches de gomme plus dure. Alors là, ça peut être un tour décisif dans la lutte pour la victoire et le podium. Puisque là, on a Van Dorn avec des pneus slick un tour plus tôt que Vettel qui est sur des pneus intermédiaires usés. Et le Belge libéré est de la pit lane. Il va maintenant falloir tout donner. Ça donne également accès à ces pilotes-là au DRS. L'aileron arrière mobile qui est désormais activable sur les pilotes chaussés de pneus pour piste sèche. Et on vient de le confirmer à Stoffel Vandoorne, alors qu'il va rester, eh bien, 4 tours dans ce Grand Prix. On baisse le... Non, on ne change pas. Du côté de Pascal Wehrlein, j'avais vu le mécanicien prêt à agir pour changer l'aileron, mais il n'en est rien. Alors qu'on est un peu lent là, à servir Magnussen. On a eu, je crois qu'on a eu droit à un double arrêt du côté de l'équipe française. Et alors que tout le monde est en pneu slick, Vettel est toujours en pneu intermédiaire. Regardez, la piste est désormais bien sèche, la trajectoire est séchée. Vettel qui est fort au ralenti là, que se passe-t-il? Vettel qui ne doit pas ralentir autant. Avec des pneus intermédiaires, attention. Est-ce qu'il n'est pas en train de potentiellement aller céder la victoire, le pilote allemand? Alors que ça y est, on est dans le 27e tour. L'arrêt au box pour Vettel qui va venir observer le dernier changement de gomme de ce Grand Prix. Voilà, s'il sort devant Stoffel Vandoorne, c'est course gagnée pour la Ferrari, alors qu'on le voit dans le fond de l'image que ça rentre pour Fernando Alonso. Et Vettel qui va sans doute reprendre la tête de ce Grand Prix, voilà! Vettel qui n'aura pas été pénalisé par l'undercut de Stoffel Vandoorne. La Ferrari qui n'a plus que quelques boucles à compléter pour aller remporter ce Grand Prix. On voit mal ce qui pourrait empêcher Sébastien Vettel de remporter ce Grand Prix de Singapour. Oh, et le moteur qui explose! C'est terminé! Incroyable, Vettel qui avait mené pendant 27 tours ce Grand Prix qui se retrouve à l'arrêt, et Kimi Raikkonen qui est en train d'attaquer Stoffel Vandoorne pour la victoire. Va-t-on avoir une Ferrari sur la plus haute marche du podium? Mais ce ne sera plus celle de Vettel. Vous ne le voyez pas qui jette son volant par terre. Il est arrêté alors que les commissaires viennent pour éteindre l'incendie qui s'est déclaré dans la boîte à air. Et Raikkonen qui prend la tête du Grand Prix au même moment. Mélange d'émotions chez Ferrari. Raikkonen va-t-il passer Vandoorne? Ils se battent pour une victoire, ces deux-là. Et c'est Van Dorn qui pour l'instant résiste. Mais pour combien de temps, puisque la Ferrari est une meilleure voiture dans ces conditions sèches? On l'a vu lors des qualifications, la Ferrari est absolument imbattable sur piste sèche. Et là, elle va devenir large pour Raikkonen, cette McLaren. Incroyable, Vettel qui de nouveau est frappé par la malchance. Allez, Van Dorn qui va peut-être aller remporter un Grand Prix qu'il n'espérait peut-être pas. Alors que c'est compliqué de freiner comme il faut avec des gommes et une voiture qui est au bout. Attention, peut-être que Vettel ne sera pas le seul à avoir des problèmes avant la fin de ce Grand Prix. Oh, et on rappelle à l'ordre Van Dorn qui est allé
au-delà des track limits. Première alerte pour le pilote belge. À la deuxième, c'est 3 secondes de pénalité. Et on va voir comment il va pouvoir défendre. Il va rester 3 tours. 3 tours à la McLaren si elle veut remporter un nouveau Grand Prix cette saison. Mais c'était tout sauf attendu. La casse moteur de Sébastien Vettel. Quelle désillusion pour le pilote qui revient à pied. Alors que Raikkonen bat à la seconde le record du tour de Van Dorn. Et Verstappen désormais le plus rapide en une 47-649. Et oui, les chronos qui vont tomber, on va tourner de plus en plus vite. Oh, il est large, Van Dorn. Le pilote belge qui était extrêmement large alors qu'il va rester moins de 3 boucles. Le DRS désormais activable. Est-ce que Raikkonen va pouvoir trouver l'ouverture pour aller remporter ce Grand Prix? Van Dorn qui ferme la porte à l'intérieur. Raikkonen qui touche le pilote belge et qui casse son museau. Incroyable, Raikkonen qui est allé peut-être mettre 2 roues dans l'eau. Et le museau de la Ferrari qui est désormais bien endommagé. Il y a du carbone dans le premier secteur. Incroyable, Kimi Raikkonen se retrouve avec une voiture endommagée. Va-t-il devoir rentrer? Alors qu'Hamilton s'est emparé de la troisième place devant Fernando Alonso. Les derniers tours de ce Grand Prix de Singapour qui vont nous réveiller après un Grand Prix bien endormissant malheureusement. Oh, et Van Dorn qui bloque les roues et ça va passer pour Raikkonen, voilà. Et non, Raikkonen ne peut pas profiter de l'erreur avec son museau. Et c'est peut-être Lewis Hamilton qui va prendre les deux pilotes à son compte pour remporter ce Grand Prix. Et Lewis Hamilton qui était en difficulté après le premier départ. Et là, il y a des candidats à la victoire derrière Van Dorn. Il y a Hamilton, Raikkonen va sans doute observer un arrêt. Il y a Ricciardo et Alonso, le vainqueur de ce Grand Prix de Singapour est dans cette liste. À vous de piocher le vôtre. Si vous voulez parier, ce sont les derniers instants. Et il va rester 2 tours. Est-ce que, voilà, Hamilton est passé. Lewis Hamilton est désormais deuxième. Alors est-ce que, après avoir résisté à la Ferrari, Hamilton va pouvoir mettre à défaut Van Dorn et Alonso. Alonso qui est peut-être en train d'aller chercher le podium. Mais c'est malheureusement l'arrêt au box pour Kimi Raikkonen qui va tout perdre. Et je pense sincèrement qu'il aurait pu rester en piste avec son museau cassé. Ça n'était pas un si gros désavantage. De nouveau une décision stratégique discutable du côté de la Scuderia. C'est pas la première et ce ne sera malheureusement, je ne pense pas, la dernière cette saison. Hamilton est passé. On ne l'a pas vu, mais Lewis Hamilton qui vient de s'emparer de la tête du Grand Prix de Singapour à moins de 2 tours de l'arrivée. Est-ce qu'Alonso va aller chercher Max Verstappen? Ah, c'est dommage de ne pas avoir suivi ce qui s'est passé. Voilà, et Verstappen qui cède. Les deux McLaren sont sur le podium. Est-ce que ça va aller au bout comme ça? Oh, et c'est une dernière partie de course bien animée. Et donc désormais, c'est Lewis Hamilton qui va peut-être mener un tour de ce Grand Prix, mais ce sera le bon, celui qui offrira la victoire à Mercedes et aux mécaniciens de l'usine de Brackley. Alors que la piste est méconnaissable, il fait bien sec ici. Et Van Dorn qui donc se retrouve deuxième du Grand Prix. Ah, il aura mené pendant un temps, mais la McLaren, je vous le disais, en milieu de retransmission a ses limites. Mais Fernando Alonso, troisième, les deux McLaren sur le podium, ça va mettre peut-être à l'abri la structure britannique face à Williams, Red Bull et Toro Rosso. Ah, c'est très fort ce qu'est en train de faire McLaren, là, la surprise un peu générale. Attention, Alonso qui n'est pas non plus à l'abri de venir chercher son équipier. Et Lewis Hamilton qui va entamer en tête le dernier tour. Et là, à moins que lui aussi son moteur ne le lâche, ça va être une victoire pour le pilote. Voilà, de la Mercedes. Dernière boucle. Oh, ça sort large pour Van Dorn. Il faudrait aller voir là derrière. Voilà, on retourne en caméra embarquée avec le Courtraisien qui doit résister à son équipier. Attention parce que là, avec le DRS, la dernière opportunité pour dépasser pour Alonso, c'est ici. Et on voit Van Dorn qui ferme bien la porte. Il y a beaucoup de marbles sur les pneus de la McLaren. Voilà, ils sortent complètement en vrac à l'aspiration et au DRS. Il y a donc Alonso et la Red Bull. Oh, Alonso qui s'est décalé. Et Alonso qui passe. Oh, Van Dorn qui change de trajectoire et qui réattaque à l'intérieur. Oh, c'est absolument superbe. Et Van Dorn qui se retrouve de nouveau deuxième. Belle bagarre et très propre et respectueuse entre les deux pilotes de l'équipe McLaren. Et on est dans le dernier tour de ce Grand Prix de Singapour, je vous le disais, qui va être remporté plus que probablement par Lewis Hamilton. Ici, Verstappen peut-être à la quête d'un nouveau podium cette année.
le podium qui va se jouer, mais alors un fifrelin sur la ligne. Alors que derrière Verstappen, c'est Cam. Regardez, voilà, 2, 3 et 4ème place de ce Grand Prix dans la même image. Et derrière, eh bien, c'est un revenant qui va compléter le top 5, c'est Nico Rosberg. Oh, ça bloque les roues pour Stoffel. Alors qu'il a l'air d'avoir des... Il a l'air, pardon, d'avoir des soucis pour la Williams de Massa. Et il faudra aller voir le potentiel vainqueur. Voilà, il sort, il passe sous la tribune du stade de football. Et dernière accélération, voilà Lewis Hamilton qui va remporter un Grand Prix de Singapour absolument fou, qui était acquis à Sébastien Vettel il y a de cela encore 5 tours. Victoire donc de Lewis Hamilton, deuxième place pour Van Dorn et le podium est complété par Alonso. Excellent. Tu as piloté comme un chef. Nouvelle victoire sensationnelle pour les Flèches d'Argent. Je suis curieux de savoir comment vous expliquez ce triomphe, mon cher Nicolas Martin. Je pense qu'il fallait se trouver au bon endroit au bon moment. La course avait une toute autre physionomie avant l'entrée en piste de la voiture de sécurité. Ils ont profité à fond de l'entassement du plateau. Voici les pilotes qui monteront sur le podium après cette course d'anthologie. Comme bien souvent, ils ont excellé ici et cette victoire est amplement méritée. Mercedes est à l'honneur aujourd'hui. Alors que le podium vient de se conclure, on jette un œil au résultat de ce Grand Prix de Singapour avec eh bien, de belles performances, notamment eh bien, Esteban Ocon qui ramène un point pour l'équipe Manor. Le classement général bouge puisque c'est Lewis Hamilton qui détrône Raikkonen et Rosberg. Ces trois-là vont se battre, je pense, jusqu'au bout, sauf défaillance mécanique. Au classement constructeur, pas de changement si ce n'est que désormais, Sauber ferme la marche. Bonjour, c'est Emma. Les dirigeants ont organisé une réunion pour faire un point sur votre saison. Je vais être brève, ils sont contents. Continuez comme ça. Et le dernier coup de fil d'Emma qui nous confirme eh bien, qu'on est plutôt content du côté de chez McLaren. Et bien voilà, c'était ce qu'il y avait à retenir de ce Grand Prix de Singapour qui s'annonce comme le Grand Prix le plus long de la saison. Il y aura, je vous garantis, beaucoup plus d'action lors du prochain Grand Prix. On se donne rendez-vous les amis en Malaisie à Sepang. Merci de votre fidélité et de votre attention et à la prochaine. Au revoir.